ceux qui sont les destinataires du travail que nous faisons. Ce qu'on peut retenir aussi, c'est l'attention, la grande attention qui a été portée par tous ceux qui ont fait le déplacement ce soir à cette initiative et à l'ensemble des échanges et discussions que nous avons eues dans le cadre de cette journée et cette grande soirée. Je pense que les leçons qu'on peut tirer, c'est que cette initiative qui n'existait pas par la soirée que nous avons mise en place, il a été démontré qu'il faut désormais, à l'occasion du 3 mai, que nous pensions à poser les vraies questions. C'est vrai que c'est une fête, mais nous devons profiter de l'occasion pour poser les questions qui assaillent l'exercice de notre métier et le fonctionnement de nos médias. Donc je pense que c'était une belle rencontre de partage, d'échange, de retrouvailles, mais aussi d'interrogation sur les défis qui nous interpellent dans l'exercice de notre métier. Un coup d'essai, un coup de maître, qu'est-ce qu'on peut attendre l'année prochaine? L'année prochaine, je l'ai dit dans mon discours, l'année prochaine, nous voulons porter de grandes ambitions, parmi elles, primer les meilleurs d'entre nous, que ce soit des médias, des émissions ou des journalistes. En tout cas, il faut saluer, on mettra l'occasion l'année prochaine pour saluer ceux qui font bien leur travail avec abnégation, avec courage, ceux qui se distinguent dans le cadre de l'exercice de leur métier.